Bonjour à toutes et à tous, merci de votre très belle fidélité. Ce que les opposants de Jésus ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas Jésus qui a guéri l'infirme de la piscine de Bethesda, mais Dieu lui-même. La parole de Jésus ne fait qu'incarner l'autorité de Dieu. Jésus n'agit qu'en accomplissant les œuvres de son Père, avec lequel il ne fait qu'un. « J'ai pour moi, dit Jésus dans l'Évangile, un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir et que j'accomplis. » Jésus est l'envoyé qui réalise le projet de Dieu, le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jacob. Certains interlocuteurs juifs de Jésus n'ont toujours pas digéré que Jésus accomplisse une guérison un jour de sabbat. Alors, ils restent tellement figés dans leur manière stricte et légaliste de suivre la loi qu'ils sont incapables de reconnaître, dans la guérison du paralytique, les œuvres de Dieu lui-même. Pourtant, Jésus s'adresse à eux comme à des personnes qui ont l'habitude de scruter les Écritures, quand par exemple il leur rappelle que ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Autrement dit, vous avez tout pour discerner que celui que vous attendez comme Messie est là, devant vous, accomplissant par sa parole et par ses actes les œuvres de Dieu. Des œuvres de création qui redonnent vie, des œuvres qui sauvent. Mais leur pensée ne peut pas pour l'instant faire un tel lien. Ils manquent de lumière intérieure, trop figés qu'ils sont dans leur manière de penser. La religion. Vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, leur dit Jésus. Je vous connais, ajoute-t-il, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Jésus leur parle de relations, eux parlent de dogmes. Et pour nous aujourd'hui, à travers cet échange musclé entre Jésus et ses compatriotes qui l'accusent, nous pouvons trouver deux écueils à éviter, le manque d'amour de Dieu et puis l'absence de droiture, d'intention, ne chercher que la gloire humaine. Une interprétation des Écritures selon nos propres intérêts. Alors, laissons Jésus, l'envoyé du Père, nous enseigner. Laissons-le être notre lumière intérieure. Laissons-le nous éclairer comme jadis les disciples d'Emmaüs à qui il rappelait tout ce qui le concernait dans la loi et les prophètes. Antoine Chevrier, prêtre du diocèse de Lyon, invitait, avant de lire la parole de Dieu, à se laisser instruire par l'Esprit Saint. Oui, viens, Esprit Saint, disposez nos cœurs à l'écoute de ta parole. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.